ce premier thème. Cette session n'était pas planifiée avant, où Mahdi il a eu la gentillesse une session bonus qui tourne autour du sujet How to Scale a Product Management Team. Donc, je fais durant les 7 dernières sessions qui fait les bases, disons, dans le product management, nous avons l'étape d'après, il y a un product management team qui fait changer mon capot, qui fait on peut créer des process pour améliorer le product management. Donc, nous, ça sera Mahdi Dogri, le CTO de Save Your Wardrobe. Merci beaucoup, Mahdi, à Merci. cette session bonus. Et voilà, je. Merci beaucoup pour l'invitation et ça fait vraiment plaisir d'être là pour parler aujourd'hui de product management. Je vérifie juste que vous voyez bien mes slides, que vous me voyez et que vous m'entendez. Oui, parfait. Juste avant de commencer, c'est un appel à tous la Fajofina. Si vous voulez interagir ou voilà, poser vos questions, soit vous le faites par commentaire Facebook, ou elle a les Ahsan, le micro, et vous pouvez interagir directement à Mahdi. Super, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde d'être ici. Je vais samhouni mallo le bach nkhallat raho anglais, français et arabe. Akha wala ghalb, c'est les 20 dernières années de ma vie dans ces trois pays. Donc je vais devoir un peu mixer tout vu que j'ai travaillé un peu dans ces trois langues. Je vais commencer par me présenter et vous présenter un peu la start-up dans laquelle je travaille aujourd'hui. Donc alesh lazmouk mntasmouni lyoum. Je m'appelle Mehdi Dohri, je ne suis pas le Mehdi Dohri de l'assurance. Vous pouvez me reconnaître parce qu'en fait, Natawa, je suis celui qui a une barbe, hein, c'est plus simple à reconnaître. Je la laisse pousser comme ça, vous pouvez nous différencier. Mais j'ai fait ma carrière, en fait, j'ai commencé dans la tech et j'ai été du coup graduated à Toulouse, de l'université Paul Sabatier, l'université des sciences sociales, donc un background plutôt architecte, système d'information avec un peu de management. Commencé ma carrière en SS2I à Sopra. En plus, Sopra, il y a une grosse présence au Tunis. Donc, propre classique SS2I, où j'ai commencé comme développeur, comme architecte plutôt, à travailler sur des gros projets RH pour des gens comme Orange, mais également EDF, dans la partie publique, comme Tarasitam Terham, et Airbus, et d'autres classiques qu'on a à Toulouse. J'ai switché en fait dans le développement mobile quand en fait le premier iPhone est sorti, où je me suis retrouvé en fait catapulté en tant que CTO d'une mobile agency. Et un peu l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui sur comment on scale le product management team. Je me suis dit que je vais essayer de vous aider à résumer un peu tout ce qui a été dit. Et oui, j'ai fait le travail de regarder toutes les sessions de Tunisian Startup. Donc, je vais répéter certains trucs, mais surtout, je vais essayer de vous donner en fait des outils qui vont vous permettre en fait de ne pas faire les erreurs que j'ai vues autour de moi et que j'ai faites moi-même lorsqu'on essaye de scaler une équipe produit. Et également vous montrer en fait c'est quoi la réalité d'une équipe produit au quotidien quand on commence à avoir une startup ou même à une compagnie qui commence à avoir 15, 20, 30 product managers. Donc cette startup où j'étais mobile agency, c'était une vraie mobile agency, donc société de service, on faisait des produits pour des projets pour des clients. Et on a fait une spin-off de cette première startup qui était en fait qui a disrupté la travel industry où on a en fait digitalisé les contenus qu'il y avait en fait sur papier dans les avions. Donc, si vous vous rappelez, quand on avait encore la chance de prendre des avions, vous savez, dans un siècle dont on ne se rappelle plus, et bien, à cette époque, en fait, quand il y avait le gros boom de l'aviation, ma startup, en fait, avec tous les gars qui travaillaient là-bas, nous avait permis de digitaliser, en fait, pour des gens comme Air France, Heathrow, Singapore Airlines, TAP, SAS, mais aussi des taxis, les taxis G7 à Paris, etc., du contenu digital sur tablette pour en fait entertain leurs clients quand ils sont en train de faire un déplacement. Donc, le gros objectif là, c'était de faire du B2B2C et c'est vraiment là-bas où j'étais confronté la première fois au product management et c'est là où j'ai fait mes premières erreurs dans ma carrière de product people. Et par là, je suis allé chez Barclays. Là, Barclays, je suis devenu un plus CTO. J'ai voulu m'éloigner de la tech, j'ai voulu vraiment en fait faire du produit. Et j'ai été recruté par Barclays comme product manager dans leur équipe digitale au moment en fait où les banques se faisaient disrupter en Europe. Ils avaient besoin de gens qui connaissaient et qui comprenaient un peu plus en fait le monde de la technologie et qui savaient disrupter en fait sur certains sujets.
Et je faisais partie d'un batch de recrutement de gens qui ne venaient pas du tout de la finance, mais qui venaient d'Amazon, de start-up, de gens du web, pour essayer d'aider la banque en fait, à vraiment se transformer. Ça a été 5 années magiques, dans le sens où je pense que c'était une expérience unique de voir comment est-ce qu'on doit scaler justement des équipes produits. Pour vous la faire un peu courte, quand je suis terminé à la Barclays, et ça, voilà, si vous avez des questions sur cette partie-là, on pourra y revenir à la fin. Mais voilà, j'étais un directeur produit où j'avais en charge en fait une équipe d'une quinzaine de product managers qui eux-mêmes avaient des équipes du coup produits qui contenaient à chaque fois un ou deux UI UX, une dizaine de développeurs. Donc derrière, pour vous donner une idée, Barclays, on était 200 product managers dans l'équipe digitale et il y avait plus de 10 000 développeurs derrière. Donc ça n'a pas l'air comme ça, mais je peux vous dire que la banque, c'est devenu en fait des boîtes technologiques. Justement, Anne, je vais te poser une question maintenant par rapport à ça. 200 produits et 200 product managers. Donc, j'imagine qu'il y a énormément de produits chez Barclays. Donc, est-ce que Barclays est en train de changer, elle est en train de se métamorphoser, disons. Le système financier, le système bancaire. En fait, Barclays, elle est vraiment en avance par rapport à toutes les autres banques et elle a même terminé sa mutation, si tu veux, à l'extrême. Et je vais peut-être me prendre 2 minutes du coup pour expliquer cette partie-là, quand elle est intéressante. Elle est arrivée dans une phase où Barclays, dont je parlais sur mes slides, était en fait une boîte classique qui avait une équipe informatique avec des équipes informatiques et qui avait en fait ce qu'ils appelaient eux des chefs de projet et des proposition managers. Un proposition manager était un peu un chef de projet commercial qui prenait un produit commercial, par exemple un prêt immobilier, et qui en fait s'occupait de toute la partie commerciale, le spreadsheet, tu sais, les calculs de combien on doit faire d'argent cette année, présenter au board, ce genre de trucs, et qui après vraiment utilisait un chef de projet technique pour livrer une feature qu'il veut faire ou quelque chose qu'il veut améliorer, etc. Sachant que c'était le début aussi du digital tout court, hein. Barclays déjà, il y a l'application mobile, quand on a digital, je crois qu'elle avait juste deux ou trois ans l'application mobile, quand j'ai rejoint Barclays en 2015. Donc, c'était tout neuf, quoi. Tu vois, on fêtait des anniversaires pendant que j'étais là-bas, de la création de l'application mobile et vraiment de la banque digitale. Pour fast track from there, quand je suis arrivé, j'ai été un des premiers, avec un groupe de 10-15, où on a été recruté en même temps, à être nommé product manager. Et ça, c'était déjà en soi une révolution dans ce genre d'environnement. Ils n'étaient pas habitués juste avec ce terme qui vient plus du monde des Google, Amazon et tous ces gens-là. Un product manager, et on y reviendra, c'était vraiment quelqu'un qui pouvait owner toute la chaîne de valeur d'un produit, comprendre le commercial, le tech et tout ça. Et donc, il y a eu beaucoup de clash en interne, tu vois, pour essayer de faire comprendre à ceux qui sont restés encore pendant un moment des proposition managers qu'en fait, on n'avait plus besoin d'eux, et essayer de montrer aux gens de la tech qu'en fait, on en est un peu plus de choses qu'ils ne pensaient, en fait, tu vois, en étant dans l'équipe produit. Pour vous la faire rapide, il y a plein de choses que je voudrais vous parler aujourd'hui. À la fin, on est arrivé au bout de ces 5 ans où j'étais là-bas, où tout le monde était devenu product manager. Tout le monde ownait en fait la responsabilité d'un produit de A à Z. Il ne restait qu'une partie qui est un peu intrinsèque à ces gros environnements. On n'ownait pas en tant que product manager de l'équipe digitale le P&L. Donc en anglais, le P&L, vous savez, profit and loss. Donc je ne sais plus comment on le dit en français, mais c'est vraiment le budget, quoi. Donc le budget était encore attaché aux équipes commerciales. Donc le CEO donnait des budgets à différentes équipes. Il y avait quand même une équipe encore commerciale qui ownait par exemple le budget du prêt immobilier. Et nous, on avait ce qu'on appelait un shadow P&L. Donc, on avait une sous-partie de ce budget pour développer l'ensemble de l'expérience omnichannel digitale, quoi. Et ça crée encore un problème d'ownership où tu avais en fait quelqu'un qui avait le budget et qui avait quelqu'un qui délivrait. Et donc, on avait notre propre roadmap et quand même notre propre budget pour développer nos trucs. Mais il y avait un clash. Et quand j'ai dit la fin de la mutation, allez, c'est intéressant. Moi, j'ai quitté il y a un an maintenant Barclays. Il y a 6 mois, l'équipe digitale a été complètement démantelée. Donc, tu vas me dire, mais ils sont fous. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, moi, je suis assez content que ça se soit passé. Allez, qu'est-ce qui s'est passé? On est arrivé dans une phase où la boîte est devenue tellement digitale, où en fait Barclays, les prêts immobiliers, pour prendre juste cet exemple, plus de 60% sont faits sur une channel digitale. Les prêts personnels, vous savez, les petits prêts de 5 000 ou 6 000 pour acheter une voiture ou pour rénover ta maison, etc., ça monte à 70-80%. Et le prêt est donné instantanément. C'est-à-dire que tu ne vois personne, tu parles à personne, parce qu'on a fait de l'assessment avec de l'AI, du risk assessment, etc., on peut te t'afficher sur ton application mobile aujourd'hui qu'en fait, on peut te donner 5 000 et quand tu acceptes en 2 étapes sur l'application, tu as les 5 000 qui apparaissent instantanément sur ton compte. Tu vois, et ça, c'est pour moi la phase de mutation. Et ça, c'était honné par 2-3 product managers de nos équipes qui ont fait des expériences qui sont magnifiques, qui ont réfléchi à tout, de la partie légale à la partie compliance, à la partie expérience digitale, à la partie communication, marketing. Et pour moi, c'est, voilà, quand on arrive à ce genre de niveau, la mutation, elle est terminée, quoi.
Et c'est pour ça qu'il n'y a plus besoin d'équipe digitale, parce que tout le monde maintenant est digital. Et tout le monde est un product manager. Ça répond à ta question? Oui. Mais ZDL, le système bancaire est en train de changer. Carrément. Qu'elle en trouve, une banque qui a 2000 développeurs. Donc, j'imagine que c'est Akfer même, les agents, les agents. Voilà, on a hâte je me suis dit dernièrement à la Goldman Sachs qui a recruté plus de 20 000 entre développeurs et produits, où c'est l'employeur de software engineers Akfer Lehet Lal, Akfer Facebook. Et donc, ça nous donne une idée à la qui fait que le monde est en train de changer. Allez, c'est aussi un truc, et c'est pas via le recrutement des product managers, c'est que tu te rends compte que quand tu commences à recruter des gens comme ça, tu commences à créer d'autres types de produits. Et les banques, Arlèche, tu vois tout ce qui se passe là, c'est que c'est plus des banques. C'est des plateformes dont la partie banque est en fait les tuyaux, si tu veux. Mais l'opportunité d'un point de vue produit, de création de valeur, d'un point de vue capture de valeur, etc., est devenue infinie. Tu peux, si tu veux, en tout cas, les gens avec qui ils compitent, ce n'est plus les banques Mabinetum, c'est les Amazon de ce monde, c'est les Facebook de ce monde et les Google de ce monde. Donc, comme tu vois, ils doivent s'équiper avec les mêmes outils et les mêmes armes. Exactement. Oui. Donc, ça, c'est un sujet. Je suis ravi de parler du modèle pipeline vers plateforme. C'est un sujet qui me passionne. Et c'est justement pour ça que j'ai quitté tout ça, on dirait, quitté le navire, en tout cas de Barclays, au bon moment. Avant, donc, j'ai vu cette phase de transformation. Il était temps pour moi de changer. Je n'avais pas envie de refaire un autre cycle comme tu as 4-5 ans. Pour rejoindre en fait Hasna chez Save Wardrobe. Save Wardrobe, donc je vais vous en parler dans deux secondes, mais c'est une startup fashion tech où justement on applique tous ces modèles de plateforme dans le monde de la fashion, qui est un monde encore plus intéressant. Si la banque t'intéresse maintenant, la fashion, c'est celle dont on parlera à Noyek dans 10 ans alors. Tu vois, et on dira waouh, c'est incroyable, qu'est-ce qui s'est passé dans la fashion. En tout cas, c'est ma vision là-dessus. Et pour le petit truc, parce que je pense que vous ne connaissez pas Antler, qui est l'autre point. Inch'Allah. Inch'Allah, oui, avec plaisir. Mais la partie Antler et AS, je suis aussi venture partner dans une sorte de venture generator à Londres qui est un peu partout maintenant dans le monde. Je vous invite à aller regarder sur leur site, c'est assez intéressant. C'est un peu comme Entrepreneur First, si vous connaissez, ou à la EF. Ça investit en fait dans des potentiels founders qui ont une idée ou pas, et ça les aide à trouver un co-founder en fait dans un programme, puis à scaler leurs produits, scaler leur startup, et leur donne de l'investissement pour grossir. Donc c'est voilà, je mentor des founders plus techniques là-bas avec ma casquette CTO. Ben, et pour parler un peu de fashion avant de parler produits, donc c'est Wardrobe. Si vous ne savez pas, en fait, on est une startup qui a un peu plus de 15 personnes maintenant. On est entre 3 pays, entre Londres, Lisbonne et Tunis. Bon, Londres et Tunis, un peu obvious pourquoi est-ce qu'on est là-bas. Donc à Londres, en fait, c'est Hasna et moi qui sommes à Londres, et on a en fait nos équipes produits, justement, marketing et commercial, qui sont à Londres, qui travaillent avec sur notre consumer product, mais aussi sur la partie B2B. À Lisbonne, en fait, on a un partenariat avec une agence qui est assez proche du monde de la fashion, avec qui on bosse sur le développement d'applications mobiles et du design, tout ce qui est UI, UX. Et on a nos équipes back-end et R&D et également data à Tunis. Donc, on a un bureau au centre urbain nord. On recrute régulièrement. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter via notre site. On recrute régulièrement des PFE dans tout le domaine. Jalik, elle a fait plein d'accélérateurs. Je pourrais mettre autant de points en fait partout. On a fait des accélérateurs à Dubaï, on a fait des accélérateurs à Amsterdam, à Lisbonne justement, pour vraiment valider notre proposition comme des gens du produit quand on a commencé. Et ce que ça donne maintenant, en fait, je suis vraiment fier aujourd'hui. En plus, c'est un jour particulier pour nous. Ça fait quand même avec Hasna 3 ans qu'on travaille. 6 mois que le produit est live sur l'App Store, et le end goal pour nous, c'était un peu d'être vu et être visibilité sur l'App Store. Et aujourd'hui, en fait, au UK, Apple nous a featuré comme App of the Day, qui est un peu pas le point ultime, mais en tout cas, c'est une reconnaissance dans les app consumers. Se retrouver sur la homepage de l'App Store, c'est quand même quelque chose de joli. Et donc ça, c'est le travail de toutes ces équipes qui sont autour de nous. On est vraiment fiers de ces fameux 15 personnes avec qui on a célébré tout ça ce matin. Et l'application, elle permet en fait de digitaliser la garde-robe. Félicitations, Matt. Ah, je sais que c'est gentil. Elle permet de digitaliser la garde-robe des gens. Aujourd'hui, ce qui se passait en fintech, c'est que les gens maintenant ont des outils qui permettent de gérer justement leurs finances.
Et Hasna a eu l'idée d'essayer de faire la même chose en fait à la fashion en se disant aujourd'hui les gens n'ont pas de visibilité sur ce qu'ils ont comme vêtements, ce qu'ils ont. Et en fait, si tu réfléchis, les vêtements que tu as, ce sont aussi des assets. Donc si ça a de la valeur, c'est des éléments que tu ne regardes pas. Et on peut les aider vraiment à optimiser tout ça d'un point de vue financier déjà pour qu'ils soient de meilleurs consommateurs, mais surtout aussi d'un point de vue développement durable pour qu'ils commencent à, en fait, à arrêter d'acheter et de jeter et réfléchir un peu différemment. C'est peut-être notre côté Gerbi, Hasna et moi là-dessus. Mais en tout cas, c'est clairement notre côté technologique et digital qui veulent optimiser le monde pour le rendre un peu meilleur pour nous et pour nos enfants plus tard. Et là, donc, je vous laisserai aller voir sur le site, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais on a un écosystème de services qui permet de, voilà, d'aider les gens aussi à nettoyer, vendre. En fait, tout ce que tu peux faire, tu peux imaginer autour de tes vêtements, on a un service ou une feature dans l'application. Ça vous montre aussi la complexité du produit, parce que là, je vous parle juste de notre version B2C. On a aussi un produit pour les marques et les sites de vente en ligne qui permet aussi permet vraiment de travailler en fait dans tout ce qu'on appelle la post-purchase experience. Donc, comment est-ce qu'ils assistent leurs consommateurs après l'achat? Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours joignable sur LinkedIn et ça fait toujours plaisir sur cette partie-là d'en discuter. Natawa, j'aimerais vous emmener vu que le sujet aujourd'hui, vous n'êtes pas venu juste pour m'entendre parler de fashion. Voudriez aussi parler un peu de product management et comment on scale des équipes. Moi, j'ai que trois gros exemples dans ma carrière, comme je vous ai dit. Donc, il y a l'agence mobile quand j'ai commencé, qui est devenue une startup et qui a dû scaler cette équipe jusqu'à une vingtaine de personnes. J'ai l'expérience dans les corporates où, en fait, chez Barclays, je me suis retrouvé un product manager tout seul au démarrage. Et quand je suis parti, j'avais une équipe de 15 product managers. Et là, maintenant, en fait, à Save Wardrobe, on est en train de scaler une équipe qui est déjà à 15 personnes, dans laquelle on a autant de produits que de personnes aujourd'hui, quasi. Et donc, j'aimerais vous prendre dans un mix de toutes ces histoires que j'ai eues, mais aussi, je suis en train d'y mélanger, en fait, des gens que j'ai vus autour de moi dans les accélérateurs et dans les startups pour vous montrer un peu c'est quoi la réalité de quand on commence, parce que je pense que. Et corrige-moi si j'ai tort, Ed, mais je pense que l'audience qu'on a reçue aujourd'hui, c'est des entrepreneurs, c'est des product managers, mais c'est avec l'esprit startup. Mais ce que je vais appliquer là, c'est au monde des startups, c'est différent au monde du corporate, mais je vais essayer d'injecter un peu tout le monde pour que tout le monde s'y retrouve. Et quand on commence souvent dans une startup, comme Hasna et moi, mais comme des milliers de founders dans le monde, on commence en fait comme ça. On est un CEO d'un côté, un CTO de l'autre côté. Et qu'est-ce qui nous arrive ? On a trouvé une idée, on pense qu'on est les rois du monde et on va se lancer en fait pour créer une startup et lancer notre produit sur le marché qui est révolutionnaire. Donc, on commence à peut-être avoir un peu d'argent de la famille, on commence à lancer la startup. Et là, on a, ça y est, une équipe qui commence à grossir, on a nos premiers devs qui vont nous rejoindre. On a d'autres gens du marketing qui vont arriver, du UI, UX, des équipes dans le produit, des équipes des internes qui vont arriver. Et justement, qu'est-ce que ici on ne voit pas quand on commence dans une startup, c'est il est où mon product manager et elle est où mon équipe produit? Au démarrage, en fait, on n'en a pas vraiment, quoi. Si on y réfléchit, on a un CTO, un CEO. Je ne sais pas si vous avez vu beaucoup d'équipes qui commencent avec un CPO. Ça arrive de plus en plus, mais ça reste assez rare. La seule chose qui nous intéresse au début, c'est vraiment de lancer le produit, de le développer et en fait d'en parler, quoi. Donc, le marketing, le design, tu as peut-être un interne, tu as peut-être un développeur. Bon, on a un peu tort de faire ça, mais en fait, quand tu y réfléchis, au début, c'est quoi réellement un product manager? Vous l'avez vu dans les autres sessions, le cola, donc je suis en train de rappeler là-dessus, mais le product manager, c'est vraiment quelqu'un qui a en fait les skills UX, tech et business. Quand tu veux lui... c'est quelqu'un qui doit être capable de pitcher en fait un produit, que ce soit sur l'expérience, pourquoi elle doit être comme ça et la comprendre pourquoi est-ce qu'elle est optimisée comme ça, mais également comment est-ce que technologiquement, c'est quoi les techs qu'il y a là en fait dehors qu'on va pouvoir utiliser pour lancer ce produit. Et d'un point de vue business, en fait, c'est quoi le commercial derrière, c'est comment est-ce qu'on va faire de l'argent et tout ça, vous le savez déjà. Il y a une terminologie que beaucoup connaissent aussi, on dit que le product manager, c'est quelqu'un qui est en fait le CEO du produit, donc quelqu'un qui est vraiment le gars qui doit aller demander de l'argent comme le CEO d'une startup. Oh, c'est vrai que quand on commence, c'est un peu ça. Et donc la question qu'on doit se poser souvent au démarrage, c'est bon, on revient sur notre équipe qui est là comme ça, qui va prendre en fait le lead sur l'équipe produit? Là, je ne vais pas vous aider et vous allez voir que tout au long des slides, ça va être un peu ça la même histoire. Il n'y a pas de sauce magique, Il n'y a pas de magique de carte joker qui permet de te dire c'est le CEO, le CPO, c'est le CTO, le CPO. Le product manager, il va aller là. Ça dépend vraiment des produits.
J'ai vu des produits qui sont dans la deep tech où en fait le CEO et le CTO sont tous les deux des gros nerds avec des compétences AI poussées. Et en fait, là, en fait, il y en a un des deux qui va prendre la casquette produit parce que c'est lui qui est le plus amené à le vendre d'un point de vue commercial. J'ai vu d'autres équipes en fait où le CEO et le CTO, il y en a un CEO qui est très 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 commercial mais qui a jamais fait de digital, jamais fait du produit, alors que le CTO a travaillé peut-être un peu comme moi dans des structures produits, techniques, digitales. Il comprend les principes de produit, donc c'est lui qui va prendre le lead. Pour l'exercice, il y a un choix qui doit être fait. I'm not the PM, you're the PM, le CEO et le CPO. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait quand on a commencé à Save Wardrobe. Hassan avait de l'expérience digitale, avait de l'expérience fashion, j'avais de l'expérience produit, de l'expérience technique. Là, on est vraiment en train de produire à Save Wardrobe, même si c'est très visuel, très fashion, etc., une plateforme technologique complexe. J'ai besoin d'être concentré, moi, sur ma stratégie technologique, quoi, en tant que CTO, vraiment prendre ma casquette technique. Hassan est vraiment celle aujourd'hui qui comprend la partie techno, business et UX. Elle peut faire les trois, elle a les compétences pour faire les trois et c'est elle qui vend vraiment la vision. Donc, elle prend le lead sur la partie CPO. Alors, j'insiste sur ce point-là. Ça ne sert à rien d'aller plus loin sur comment est-ce que tu veux scaler ton équipe produit si au démarrage, en fait, il n'y a pas eu un choix clair qui a été fait. En plus que ça, vous le savez tous, ceux qui ont déjà fondé une startup, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Ben, en tant que les deux cofondateurs, on a multiple CX roles, quoi. On se retrouve, je suis le CIO, le CDO, peut-être le CFO, le CMO, etc. Allez, c'est ça le truc d'une startup. On est là pour scaler une startup rapidement. On n'a pas encore l'argent qu'il faut pour recruter tous les gens qu'il faut. Et donc, on est tous en train de porter des casquettes multiples. Ce serait pareil d'ailleurs pour les fameux devs en dessous, les marketing leads, UI, UX, etc. Tout le monde en fait est en train de jouer au jeu. Vous savez, on a fait le cirque, les assiettes que tu dois faire tourner en même temps. C'est comme ça que ça marche. C'est ça le principe de la startup. Mais cette question de se dire c'est qui va prendre le produit, le lead sur la partie produit en fonction du type de produit que vous êtes en train de créer, day one est très important. Maintenant, si on passe sur la deuxième partie, j'ai besoin d'un product manager. Pourquoi? Il y a un super article que j'ai mis à la fin des slides et on va partager les slides si vous voulez, qui dit est-ce que tu as vraiment besoin d'un product manager? Voilà, ce n'est pas toujours le cas en fonction de toutes les compagnies. En fait, ça dépend si tu es vraiment en train de builder une startup produit. Est-ce que tu es vraiment en train de builder un produit? Est-ce que tu n'es pas en train de faire quelque chose d'autre? Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dedans, mais il faut s'arrêter et il faut se poser la question. Si j'arrive, en fait, moi, je pense un truc super important dont mes confrères et tous les collègues là, qui ont fait d'autres talks, ils vous en ont parlé. Il faut aussi s'arrêter et se dire une seconde, tu veux scaler une équipe produit, est-ce que tu es sûr de savoir ce que c'est un product manager? Est-ce que c'est une différence entre un product manager et un project manager? Je suis assez direct là-dessus. Dans nos équipes, il n'y a aucun project manager. On est soit produit, soit on fait partie d'une équipe agile. Et donc, il y a des Scrum Masters qui sont là pour faciliter. Et il y a des développeurs, des UX, des gens qui font partie en fait, de ces fameuses cérémonies. Mais il y a quelqu'un qui own le produit. Dans les grands corporate, Madame Fernandez à Barclays, pour vous prendre cet exemple, s'il y en a qui sont dans des grandes sociétés, tu avais un peu les deux. Tu avais les deux dans le sens où les projets étaient tellement complexes et demandaient à même si tu ownais le produit et que tu étais le product manager, la delivery de la feature ou une certaine feature que tu veux lancer est tellement complexe à cause de toutes les règles de compliance, de trucs que tu dois faire, que tu as besoin de l'assistance d'un project manager qui va t'aider à break down l'initiative en task, s'occuper de la partie projet, va jouer peut-être de temps en temps le rôle du Scrum Master si l'entreprise est déjà agile, mais va vraiment monitorer les différentes ressources et va faire aussi ce qu'il y a dans les grosses compagnies, la partie allocation des ressources et les timesheets et tous ces trucs-là, quoi. Donc, il y a un peu les deux. Mais on revient, on est une startup, on a des product managers et on est en train de builder un produit. La deuxième question que je vais vous demander de vous poser à ce stade-là, et c'est le problème que j'ai eu la première fois dans ma startup et un problème que je vois voir chez Vitons. Est-ce que tu es une startup ou est-ce que tu es une agency? Donc, est-ce que tu es une startup ou est-ce que tu es une SS2I? Alors là, j'aimerais prendre 2 secondes pour que vous posiez la question. Allez, les deux objectifs sont pour moi complètement différents. Si on est en train d'essayer de builder une startup et qu'on veut grossir à une vitesse phénoménale et avoir des gens qui sont fans de produits, qui comprennent le client, qui sont en train d'itérer, on n'est pas une agency. C'est une erreur en fait, que j'ai fait au début. On a commencé en tant qu'agence mobile et on a eu à un moment donné une idée d'un produit et on a développé notre produit et on a créé légalement une structure différente pour en fait lancer le produit, mais les équipes n'étaient pas différentes.
Donc, on se retrouvait en fait à tous avoir une casquette en fait. Sarah, dans ce projet-là, je suis un project manager pour ce client. Dans ce projet-là, je suis en fait mon product manager sur mon produit à moi. Et là, en fait, si vous voulez créer une équipe schizo qui devient complètement folle et qui ne comprend plus du tout où est-ce que sont les budgets sont allocated, ça crée vraiment des problématiques grosses, quoi. L'autre partie pour moi, c'est quand on est une startup, on a maintenant un budget qui est vraiment alloué à essayer de grossir vite et de faire en sorte que ton équipe produit est la plus efficace possible et que ton produit est le meilleur du monde. Qui a un objectif un peu différent du côté agence, où elle a des trucs hybrides qui McIntyre dit et que je ne vois pas chez Fitounes, où je suis une agence et on fait de l'argent d'un côté et ce même argent que j'ai là, je le réinvestis en fait sur un produit que je veux revendre un peu en mode éditeur. Alors si on est des éditeurs, ça, on n'est plus une startup pour moi. Voilà. On n'est plus une startup et à ce moment-là, allez, je rate du coup même le développement de ton produit est lié au lancement d'un projet avec un client qui est différent, alors que Indienne, ce n'est pas forcément la vision d'une agence. Donc, si on décide d'être une startup et qu'on veut se lancer dans le monde du produit et qu'on veut scaler notre équipe produit dès le départ, faisons-le. Mais à ce moment-là, on réfléchit produit, on réfléchit big et on commence dès le départ, quoi, hein, comme les Spartiates, c'est pour ça. Donc, maintenant, on est d'accord, on veut recruter le premier product manager. Ouais, je suis super content. On va recruter le premier product manager. On va avoir un product manager qui va pouvoir enfin nous aider à délivrer le produit. Et là, la première semaine, quand tu arrives en fait avec ton product manager, ça, c'est la tête de ton product manager quand il commence avec toi. Et là, mais est-ce que tu as vraiment besoin de moi? Et qu'est-ce qui se passe dans la plupart des chériquettes? Là, un truc que vous allez voir souvent, c'est qu'il y a un problème de ownership, un problème de qui en fait est censé faire quoi dans la société et je comprends plus qui fait quoi. Il y a ces extraits du classique Spotify model, mais je pense qu'il est magique pour comprendre en fait les problèmes qui peuvent arriver au démarrage. Vous l'avez certainement tous vu. Le niveau d'autonomie et d'alignement en fait entre les différentes équipes, on peut l'appliquer la même chose sur le recrutement d'un product manager. Quand tu réfléchis, en fait, si tu ne leur donnes pas l'autonomie et qu'ils n'ont pas un alignement clair sur ce qui doit être fait, tu te retrouves avec un product manager, en fait, pour être honnête, qui se retrouve plus à être un business analyst ou à quelqu'un qui te fait de la recherche sur certains trucs, mais en fait, il n'est pas autonome. Donc, le vrai problème day two, quand en fait, on veut recruter les premiers product managers avant même de les scaler, ces équipes, c'est elle est où la trust, donc c'est où que tu vas leur faire confiance au lieu de les contrôler. Et c'est encore extrême du modèle de Spotify, mais je l'ai vu à toutes les étapes. Je vais m'arrêter 2 secondes ici pour vous donner quelques exemples. Et on pourra même aussi s'arrêter si vous voulez prendre des questions au milieu, et demain, n'hésite pas. Ici, quand on était dans la première startup que j'avais du coup dans le monde du travel tech, quand on a commencé à se dire, je pense que le gros problème qu'on a en fait, c'est qu'on n'a aucun product manager. Les deux CEO, on avait un CEO et un CCO, mais qui jouaient un peu le rôle les deux de CEO, il n'y en a aucun qui a voulu lâcher réellement en fait, le produit. Quand je dis le produit, ça veut dire que tu avais des gens qui voulaient prendre cette casquette produit, mais qui n'avaient aucune autonomie sur la décision et la priorisation des roadmaps. Quand tu fais ça et qu'en en fait, il y a un contrôle qui est trop important et que tu as la peur que justement ton même boss qui est ce CEO va du coup pas t'augmenter à la fin de l'année, tu vois des trucs comme ça, ça n'a pas l'air, mais si ça devient comme ça, tu ne fais plus rien, quoi. Et l'autonomie dont on a besoin pour en fait vraiment faire du product management n'existe plus pour moi. Dans les grandes compagnies comme Barclays, alors là, c'était pire. Là. Ce truc-là, vous pouvez mettre en fait une loupe dessus, zoomer dessus, c'était à des puissances 10 000. Alors, si vous imaginez, en tant que directeur produit, je ne faisais plus du product management réellement. Hein. C'était mes product managers en dessous de moi qui faisaient du vrai produit. Moi, en tant que directeur produit, mon travail, c'était de faire en sorte d'enlever les deux petits ronds que vous voyez en bas. Politics and fear. Donc, comment est-ce que je peux protéger mon équipe? Et comment est-ce que je peux faire en sorte qu'ils sont complètement empowered et qu'ils vont en fait avoir justement ce niveau de trust, ownership and empowerment. Donc, quand je recrutais un product manager, je devais en tant que directeur, et comme vous imaginez dans une structure, j'avais aussi des directeurs au-dessus de moi à qui je reportais, j'avais de temps en temps des directeurs au-dessus de moi qui venaient et qui me disaient « Mad, on peut faire ça sur la roadmap, sur ce produit, est-ce que on peut le faire le mois prochain ?» Je fais « J'en sais rien. » Il fait « Mais c'est toi, attends, qui gère toute cette équipe ?» Je vais, mais c'est à mon product manager de décider. C'est à lui d'aller regarder sur la roadmap. Là, tu es en train de discuter avec les clients. C'est toi qui vas en fait dans les phases de user testing. Est-ce que c'est toi qui vas aller parler aux clients? Est-ce que c'est toi qui regarde tous les NPS score comments? Est-ce que c'est toi qui regardes tous les comments sur l'App Store? Non, bah alors moi non plus. Donc moi, la seule chose qu'il peut faire, c'est que par contre, on peut lui demander de venir nous présenter sa roadmap et pourquoi il a priorisé comme ça.
mais c'est à lui de prendre cette décision. Et là, cette phrase, elle a l'air très simple, et elle a l'air, mais je peux vous dire, dans une organisation avec autant de personnes, et je ne suis pas en train de me gratifier haine de faire ça, il y a des fois où je ne l'ai pas fait non plus, hein, mais c'est ça qu'il faut faire. Et c'est la même chose dans une startup. Si un CEO, quand il recrute un premier product manager, lui dit pas, Asma, tu vas être le product manager de cette feature ou elle, de toute cette section de notre startup, et de lui donner en fait l'autorisation de en fait prioriser la roadmap comme il le souhaite, parce que c'est lui qui va en fait faire toutes les phases de recherche autour, on n'a rien fait sur le scale d'une product team. Et pour moi, ça, c'est la clé. Et ce que tu te rends compte la plupart du temps, pour reprendre l'exemple à Barclays, pour vous donner un exemple d'équipes qui ont quand même 200 product managers, je vais par contre, en tant que manager et donc le CEO d'une startup à faire la même chose, je vais challenger mon PM, mais alors là, jusqu'à lui casser la tête, hein, dans le sens où je vais lui demander de me prouver pourquoi ça et qu'il me montre bien qu'est-ce qu'il a fait comme recherche et qu'il me montre tout ça, etc. Et même si à la base, ce n'était pas l'idée que j'avais de roadmap, par contre, à la fin, quand j'ai vu le travail et que c'est basé sur des faits, de la data, des feedbacks, des itérations, de la recherche, etc., je serai le plus grand sponsor de sa roadmap dans toute la compagnie. C'est-à-dire, je deviendrai la personne qui va en fait vendre sa roadmap comme si c'était moi qui l'avais créée. Et ça, c'est important, hein, le côté trust au début, c'est-à-dire je lui donne l'ownership, je l'empower pour prendre sa décision. Si on veut qu'il devienne autonome, il y a cette confiance, je lui fais confiance. Et c'est pareil, un CEO qui est un product manager dans une startup, quand il le recrute, il lui fait confiance. Et à partir de là, c'est toi-même aussi qui va aussi le couvrir, ce product manager, quand tu vas devoir repitcher à tes investisseurs pourquoi cette feature, tout compte fait, on l'a changée et qu'on l'a mis à l'année prochaine. Donc, cette partie-là, elle est super importante. Attends, vous avez vu déjà sur le modèle Spotify, et beaucoup d'autres vous l'ont déjà montré, dans une startup, il y a le côté lean, où on doit en fait justement faire cette itération, t'as les idées, le problème, le prototype, je build un MVP, je release, etc. C'est pareil dans les grandes compagnies. En fait, on demande la même chose à un product manager qui fait la même chose juste peut-être sur une feature d'une application, tellement les apps sont grosses. C'était pareil chez Spotify. C'est pareil chez Save Your Wardrobe. Donc, on fait ce genre d'itération même sur une petite feature qui est donnée. Et c'est comme ça, en fait, c'est là vraiment qu'on a, ce qu'on appelle le day 3, besoin de scaler des compagnies. Ton équipe produit, de commencer à réfléchir comment est-ce que je les fais travailler en fait de manière autonome. Et là, il n'y a pas quand même, je ne veux pas réinventer la roue, il n'y a pas mieux que d'aller se renseigner sur ce qui a été fait sur le marché. Vous avez déjà vu en fait le modèle t'as Spotify, il reste quand même une référence. Comment est-ce que tu organises en fait les équipes par tribe, les équipes par chapters, et côté des guilds, quand tu commences à avoir des équipes énormes et que tu veux regrouper des compétences qui sont bombardantes. Donc à la fin, tu te retrouves en fait avec une structure qui est un peu comme ça, où tu as en fait des différentes squads avec un product owner qui est en fait un product manager qui own qui own toute la structure produit et qui va réfléchir avec des équipes des feature teams qui sont complètement autonomes à le UX, le UI, le marketing, le legal, etc. Là-dedans, j'ai mis trois logos, Nabarka, mais vous pouvez passer des jours et des jours à regarder en fait des exemples de types de scale produits sur Internet. Et je ne pense pas que je suis le mieux placé pour tous vous les décrire. Il y a un que j'ai adoré au démarrage quand j'ai commencé à regarder comment TransferWise aussi l'a fait. Vous avez les Two Pizza Teams d'Amazon. Il y en a Spotify et je les ai lus et relus et relus. Tu as Google, comment ils organisent, et aussi la partie recrutement. Là-dedans, en fait, il y a vraiment plein de modèles à regarder. Moi, la seule chose que je veux vous donner là, c'est qu'il faut tous les regarder et après, il faut en utiliser aucun. Alors là, tout le monde va arrêter le talk, va quitter le Zoom. Désolé, Ed, mais l'équipe… Surpris, là. Eh ouais, mais c'est pour ça que je dis que je ne voulais pas que tu vois les slides avant. Allez, Khatra. Et je t'assure que… Maintenant, il ne va pas falloir que vous allez me croire juste à un… Mais je te comprends. Tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que c'est pas que moi, tu peux demander à n'importe quel product manager senior après, il va tous dire oui, ben ouais, inspire-toi de tout ça, lis-les tous, etc. Allez, je rate. Chaque équipe, elle a ses spécificités. Exactement. Et chaque produit, il a ses propres besoins. Exactement. Il n'y a aucune manière d'appliquer quelque chose que tu connais. On est, Kadesh, dans l'audience, une vingtaine, peut-être avec les trucs sur Zoom, il y aura 20 cas différents, man. Les amis, un par un, pour réfléchir. Et donc, je ne peux pas faire une présentation globale qui va marcher à 20 personnes, encore moins à n'importe quel PM ou à l'entrepreneur qui veut se lancer.
Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut les regarder tous. Il faut en fait regarder comment ces équipes ont été organisées. Il y a tout plein de bonnes choses à regarder. Les squads, les feature teams, les two pizza teams. Donc les two pizza teams, si vous ne connaissez pas, c'est de faire en sorte que les teams, en fait, elles peuvent être nourries par deux pizzas à Barca pour être sûr qu'elles soient assez petites pour être autonomes et arriver à interagir en bravant. Tous les frameworks agiles, etc., qui permettent aussi de, qui introduisent la notion de produit avec le product owner, etc. Il y a tous les design thinking qui viennent plus du monde du UI, UX. Comment est-ce que tu réfléchis sur tout ça? Et tous ces trucs-là, il faut les regarder et il y en a des centaines d'exemples. Et il y a encore plus, et ça, c'est les plus intéressants pour moi, il y a des centaines d'exemples de grosses startups qui sont très successful, qui ont pris le modèle de Spotify, ils l'ont appliqué et ils se sont plantés monumentalement. Ils ont dû revenir et créer leur propre modèle et réfléchir. Donc, regardez tous ces modèles-là et regardez celui qui vient et surtout, recrutez un premier product manager ou la recruter un CPO qui en fait a justement ce background, qui a vu ces exemples et qui ne va pas venir juste appliquer un truc d'un livre et vous dire c'est ça la solution, qui a dit je pense qu'ici on peut prendre ça d'ici, ça d'ici, ça d'ici. C'est pareil comme les meilleurs Scrum Masters, et j'ai par exemple fait l'équipe à FMIC, oui, qui est un super tech lead chez nous à Tunis, qui a un super Scrum Master également. Voilà, le modèle agile qu'il a mis en place dans notre société est unique. Il n'y a pas, de truc, on a adapté en fonction de notre besoin, on a des équipes Lisbonne, on n'est pas en mode feature teams pour l'instant encore, mais on adapte, on learn, on a des rétrospectives à chaque fois et on va changer au fur et à mesure sur d'autres modèles. Au fur et à mesure que la compagnie grossit, que nos produits évoluent, que le type des clients qu'on a évolue, que nos locations évoluent. Et on est même en train de passer par un truc avec du Covid où on s'est tous mis en remote, certains d'autres modèles ne marchent plus. Par contre, tu as tout à fait raison, Mahdi. Hatta la culture de l'entreprise, elle influence même la structure de l'équipe produit. Et je me rappelle, j'ai eu une session ma Sofiane Charbouni d'Expensia, où il a présenté un peu la structure de l'entreprise dans le produit. Celle de Kotlo Alech, ma Kassamtouche par plateforme, par support d'RTB Expensia, quand il m'a répondu, les besoins internes, pas sur chaque plateforme, mais plutôt sur le module, il y a un product manager. Ça confirme que chaque entreprise elle va chercher au fur et à mesure la meilleure structure. Et même si la structure est comme on fait 10 ou 20, comme je suis allé au mien ou à la meeting, à chaque fois, même la culture ou la relation entre les team members, elle influence la structure. Parce que c'est la bonne communication, elle impose la relation entre les différentes équipes. Tout voilà. À fait d'accord. Le slide d'après, il est exactement. Mais la première fois que j'ai parlé, Tahar a posé deux questions. Vas-y, je t'en prie. Donc, Lula, what's the difference between junior PM and a senior PM? Yes. Et Fanny, what are the things that take you to the next level? Ben, c'est simple, pour prendre du coup junior PM et senior PM, tu as fait les startups au démarrage, mais bon, tu as fait les plus grosses startups, on va dans les grosses organisations. À Barclays, on avait deux types d'interviews très clairs entre un junior PM et un senior PM. Donc, un junior PM aura tout le rôle d'un product manager, aura peut-être en fait une feature plus petite, aura la plupart du temps peut-être pas de management. C'est comme ça aussi qu'on introduisait des fois la notion de management quand il y avait des structures un peu moins flat et où il y avait de la structure, et aura un peu moins peut-être de stakeholder management. Une autre partie aussi, c'est des présentations vers l'extérieur, ou d'aller pitcher à un conseil d'administration pourquoi est-ce que t'as besoin de X centaines de milliers de pounds pour faire tel produit, ou la tête feature sera peut-être fait par le senior PM qui va aussi gérer peut-être la roadmap un peu plus haut niveau. Les seniors PM, on attendait justement ce que je viens de dire en mode 100 fois plus, quoi. Il y en a un qui était complètement autonome, qui avait peut-être fait déjà d'autres expériences product management dans d'autres compagnies, qui sait en fait aller pitcher à des stakeholders complexes pour aller récupérer du budget, qui va savoir recruter d'autres product managers, mais également peut-être en superviser et les avoir un peu sous ses ailes. Donc, si tu veux, le difference, ça m'a dit dans mes zones indiennes, c'est vraiment ce côté autonomie,
ce côté recrutement, management, et peut-être ce côté aussi prendre en fait des produits un peu plus complexes qui sont pas en fait les hashtags défrichage, tu sais, qui ont besoin d'être un peu analysés, de beaucoup prendre plus de temps que j'ai besoin que tu m'optimises l'onboarding parce que le bouton login et le bouton sign up ne marchent pas très bien, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, alors qu'un senior PM va peut-être prendre en fait en charge toute la partie acquisition en général, et à réfléchir en fait vraiment au niveau de qu'est-ce qui va se passer long terme, quoi. Est-ce que est-ce qu'un senior PM, on peut trouver dans des entreprises des senior PMs qui gèrent d'autres product managers? Oui, on a beaucoup débattu dessus à Barclays. Nahna, c'était le cas. Donc, quand j'ai été recruté comme senior PM, justement, j'ai eu un jeune PM qui m'avait rejoint. Et en fait, si tu veux, c'est... ça n'a aucun sens d'un point de vue produit, si tu veux. Je lui donnais la plupart du temps un produit sur lequel il est autonome, qui n'avait rien, pas forcément de relation, mais ça a une notion fonctionnelle peut-être, tu vois. C'est qu'on m'avait assigné une zone fonctionnelle et j'allais lui donner un sous-ensemble de produits qui m'appartenaient dans ma zone fonctionnelle pour qu'il soit autonome. La plupart du temps, dans ces grosses entreprises, c'était le côté management, tu sais. C'est-à-dire, c'est moi qui lui faisais ses objectifs, ses fins d'année. Quand on créait ce genre de structure avec du reporting, c'était simplement pour aider à la partie gestion qui, dans les corporates, est assez lourde. Tu as la notation de fin d'année, les calculs des bonus là, et tous ces trucs-là qui ont beaucoup de paperasse et beaucoup de choses. Donc, si tu te retrouvais, comme par exemple quand moi, j'étais au niveau directeur, si je m'étais retrouvé avec les 15 product managers que j'avais dans mon équipe qui me reportaient tous avec une organisation assez flat, à cause du burden dans ces grosses compagnies de l'administratif à gérer, tu ne peux pas, tu vois, à gérer leurs congés, à gérer leurs trucs, etc. Donc, c'est juste cette partie-là. Est-ce qu'un senior PM, ou le fait de choisir un senior PM, me raconte strictement l'expérience en tant que product manager, ou alors là, je me coule, il était un team leader, fait une équipe de développement, est-ce que réellement, est-ce que me raconte l'expérience en tant que product manager, ou alors c'est plus des compétences et soft skills? Les soft skills jouent un rôle important quand même. Tu vois, j'ai aidé pas mal de gens qui venaient. Enabidi, tu vois, quand j'ai été recruté comme senior PM à Barclays, je ne venais pas du monde produit réellement. Je venais en tant que CTO d'une startup. Je venais avec quelqu'un qui avait une compétence produit, tu vois, et qui voulait se lancer dans une carrière produit, et qui arrivait. Par contre, tu sais, on reprend les trois cercles. Tu as technical, commercial, and UI, UX. En indienne, un senior PM, c'est quelqu'un qui va avoir ses cercles avec, tu sais, une prédominance assez importante par rapport à un junior PM qui va te dire, j'ai fait peut-être déjà fait une app sur une équipe à quelqu'un, j'ai peut-être juste fait ça. Un senior PM va dire, j'ai fait déjà développé 20 apps, voilà, j'ai vu le lancement de 20 produits, peut-être juste au niveau UI, UX ou juste au niveau tech, pas encore au niveau commercial. Mais tu vois, c'est malin, il y a quelque chose où il doit y avoir un de ces cercles qui est assez puissant, quoi. Donc, j'ai recruté des tech people, qui avaient vraiment une vision produit, mais qui n'avaient jamais fait la partie commerciale, Mathalan, et tu les aides. Tu as d'autres aussi qui étaient des senior PM, qui étaient très forts d'un point de vue commercial, ils venaient du monde du commercial, du marketing, donc UI, UX, et qui étaient vraiment nuls d'un point de vue tech. Et donc, tu les aidais à monter en compétence sur cette partie-là. Je vois. Est-ce que Lyon, d'après l'expérience TEAC, j'espère que tu me réponds en toute honnêteté, toujours. Par qui on a le contexte influence, yes. Par rapport à la session, on a le programme pour le contextualiser Melissa influence, disons, parce que elle a personnellement en tant qu'expérience, plutôt en ayant l'expérience d'être start-upper, on n'arrive pas à trouver des bons product managers. Et quand je dis des bons, je ne dis pas juste Yarf, comment il gère un produit, mais c'est un mindset pour moi, c'est avoir une vision par rapport à un produit, c'est avoir toutes les connaissances par rapport à un marché, ou le bon produit pour le bon marché. Est-ce que l'expérience théâtre a des enfants? Je suis un agent inexistant pour créer de très bons product managers qui aident à scaler les startups futures. Voilà, Andien, tu as raison, je te rejoins complètement. La triste vérité, pour les startups qui sont le marché interne, il est essentiellement l'UK pour l'instant. Je ne me vois pas encore recruter de product manager futures. C'est la réalité.
معليش Bah justement, les points que tu avais dit, tu as le marché et le produit qu'on développe. Nahna, Mathalan, tu donnais l'exemple d'Expansia. Je connais bien Kélim et son équipe. Ça reste un produit de gestion de notes de frais, tu vois. C'est Haja qu'on a aujourd'hui, Fitounes. Haja où même si le marché tunisien se réduit, mais ils sont en Europe, ils sont à l'international, de recruter un PM qui comprend l'optimisation d'une note de frais, je suis à 10 000% avec eux. Aujourd'hui, quand je parle de digital fashion et que je parle de digital wardrobe et d'achat en ligne, déjà pour trouver quelqu'un, ouais, Fitounes, qui a acheté plus de Qatar en ligne, à part Jumia, pour aller acheter une coque d'iPhone, c'est rare, tu vois. Et en fait, tu vois tous les points là qu'on a sur le slide aujourd'hui, c'est effectivement, il faut que tu aies quelqu'un qui soit peut-être curieux, mais qui a été ce user sense, qui s'est take action, mais qui a aussi vu ce qui s'est passé, qui a active listening, qui va pouvoir analyser des choses. Mais c'est, quand je me suis rendu compte que j'avais envie de faire du produit et que je voulais plus faire de la tech, c'est quand je me suis rendu compte en fait que au quotidien, je réfléchissais comment créer un produit. Et wallah, et j'exagère pas quand je te dis ça. Quand je regardais, en fait, quand tu allais sur un genre d'un restaurant, quand je voyais un gars, un serveur qui arrivait avec plus le papier pour prendre ta commande et qui avait un iPad, et je disais, mais qu'est-ce que tu fais sur l'iPad et comment tu fais ça? Mais là, tu fais comme ça pour faire la commande. Et je les interviewais, en fait, tu vois. Et tu sais, le active listening que tu vois à Limin, c'est-à-dire, j'avais switché, la technologie m'intéressait plus. C'était comment il utilisait sa technologie pour changer sa vie. Et en fait, le truc qui nous manque, ça, c'est cette curiosité. En fait, on est très intéressé par la tech. Des fois, tu en as quelques-uns qui sont très intéressés par le marketing. On est très intéressé par le côté commercial, mais en fait, est-ce qu'on est très intéressé par l'utilisateur final, qu'est-ce qu'il a envie et comment est-ce que je vais pouvoir lui changer sa vie? Là, c'est vraiment une abnégation, tu vois, quand tu as un product manager, un DN, c'est tu te donnes au service de cet utilisateur. Et il faut qu'on arrive à switcher de là-bas. On a de très bons commerciaux, on a de très bons tech et on a de très bons marketing. Donc, quand tu regardes ces trois trucs, c'est quand même les trois composants, les hashtags pour avoir un product manager. Donc, Kimakotent, tu leur dis qu'en fait, tu sais, tes trois skills que tu aimes bien, tu aimes bien le tijara, tu aimes bien le marketing et tu aimes bien le côté design. Et en plus, tu es passionné de technologie et tu es geek comme Aytoun, si, vu qu'on s'est tous installé une parabole et changé la fréquence. Tu vois, tu es toujours intéressé par le côté tech. Et ben en fait, tu sais que tu es une personne produit et que tu pourrais développer ton propre produit. L'étape d'après, tu vois, quand je suis arrivé là-dessus, j'ai peut-être eu la curiosité, et je suis quelqu'un de très curieux, de commencer à aller me renseigner, à me dire, mais comment ça s'appelle? Est-ce que je suis en train de réfléchir, tu vois? Et j'ai commencé à trouver les modèles. Et là, c'était Narkil Xabarsni, Spotify, etc. Et je me dis, mais en fait, c'est du product management dont je suis en train de parler. C'est Kifesh, on va aider. Taou, avec Arlège, j'adore le programme que vous êtes en train de faire. Kifesh, tu vas donner en fait à tous ces gens qui se disent, ben, en fait, j'aime la tech, mais je développement j'aime le marketing, mais bon, faire juste des posts Facebook ou juste des campagnes marketing, ce n'est pas la seule partie qui m'intéresse. Et j'aime la partie commerciale, mais les spreadsheets, ça me fatigue. Mais j'aime bien quand même un peu la tech. Et ben, ces gens qui ont un peu plusieurs codes à leur arc, comment on va leur dire, ben, écoute, en fait, tu es un product manager, tu vois toutes les composants que tu as autour de ce nuage sur le slide qu'on a à l'écran. C'est tout ça, là, ouais. Tu es quelqu'un qui doit pouvoir me réfléchir à la growth, à écouter les utilisateurs, à mesurer, à leader une équipe, à vendre de trucs. Et donc, il faut les aider à leur donner les frameworks, les outils, mais également les postes. Donc, tu vois, ça m'intéresserait à l'art d'aider des Twens à passer dans le monde du produit et à leur donner certains composants de notre produit, Mentoon, comme Expansia l'a fait, et c'est génial. Ouais. J'ajouterais, c'est un mindset entrepreneurial en fait. C'est Toi, vrai. les torzes, la solution, Exactement. solution avec sous forme d'un produit. Ou un quatrième axe, le fait d'avoir une connaissance technique. Je ne développeur, réellement le développement, mais tu as que c'est que les autres boutards, comment il peut être faisable. Hey. خاطر تنجم تقول انا والله On dit tech علاش savvy هنا. Tech باش savvy. نلقى حل باش العباد تمشي من تونس للجزائر او باش نعمل لهم طياره اسكو كونكريتمون تعرف باش تتعمل الطياره هذيك ولا لا دونك il faut avoir un minimum de connaissances techniques pour décider réellement la faisabilité de la chose ou ouais, disons, le temps que la solution TAC elle peut prendre. والهوني داير برشا
برشا ناريتها حتى في الاكسبيريونس كنت اون ايسي دو ريكروتي دي برودكت مانجر. عندنا الافكار اون تخوف دي زيدي كي تقول له عندي مشكله في الحكايه الفلانيه يقول لك ولا برودوي كيفاش يعمل كيفاش ما يعملش. سوف كو بعد كي تدخل في الديتاي تلقى اللي يمشي ساعات البالو السوليسيون اللي اعطيتها انت باش اعطاها هو باش تقعد نهارين ثلاثه ايام تعمل ملي الا ابليكاسيون في الاخر معناها. Certainement, tu as eu ce feedback, tu mets les applications, tu trouves un influenceur ou il y a un. Et dès que tu as eu une chaleur, tu as eu en forme, tu as eu on veut pas former des product managers faiblesse école, mais au moins en forme à bête, je sais vraiment la faisabilité de la chose, parce que tout ça est digitalisé. C'est vrai. معناها جوست تزيدك حاجه تضحك. احنا اليوم راهو تمشي تحكي مع عبد تقول له فيسبوك يقول لك ابليكاسيون صح عليه جاي جوست ديفلوبريت وعمل فيسبوك. مالوغوزمون فما ان ترافاي لازم نخدم اي فوالا. عندي انا تو سا رامين افيك السلايد الاخراني كيكا جارد فو سولي افيك لي سلايد جي لي انليف سي تو فوا كون جي دي باك تو سكول اي جو ولي تيرميني افيك سا ان التوا افيك تو سو كو جي فيو توتس لي اكسبيرونس كو جي فيكو. Quand je peux pas, quand je marche, ma salade pour aller chez Jiboli et le Maktab, j'ai toujours un podcast produit fait with me. Allez, j'arrête pas d'apprendre, tu vois. Et tu sais, cette fameuse curiosité, Léane, ma salade pour revenir à quel modèle on applique, etc. Ma salade, j'ai un ami, Axel, qui travaillait à Barclays, qui est maintenant déjà en France, et il a créé ce podcast que je vous recommande. Allah, Khatal en plus, il est en français, avec des start-upers françaises, pour une fois. Je ne dis pas que ce n'est pas bien que ça soit en anglais, mais on va dire que la plupart des product podcasts qu'ils ont aux États-Unis, c'est limite... En tant que Tunisien, tu le sens limite inaccessible, tu vois. C'est des startups avec déjà 500 Traqadesh Mnouehed qui ont levé 150 millions, qui appliquent des structures produits de malades. Alors que franchement, vu que le Fifran, tu as quand même moins du unicorn, tu as des startups un peu de toutes les tailles, les product managers ou les CPO qui ramènent, par exemple, à Blablacar ou à des trucs comme ça qui ont déjà grossi, ils vont tous vous apporter un truc qui est super intéressant. Et en plus, ils sont tous accessibles. Tu peux les contacter sur LinkedIn pour poser des questions ou catch-upper avec eux. C'est le conseil que je pourrais donner à n'importe qui veut se lancer dans le produit ou à n'importe quel entrepreneur qui veut comprendre un peu mieux c'est quoi la logique comme tu as le produit quand il veut créer sa startup et avoir vraiment cette vision produit. Il faut écouter tous ces exemples, écouter tous ces gens qui ont fait des erreurs et qui sont humbles et qui les partagent, ces erreurs. Et peut-être pour terminer juste avec un peu d'espoir à la tournée, Eden. Il y a quelques années, j'ai déménagé à Londres en 2013, il y a 7 ans, Ottawa. En 2013, personne ne parlait produit à Londres. Je te mets de côté les Google et Facebook qui sont un peu des extraterrestres qui étaient venus à Londres parce qu'ils ont des bureaux à Londres. Tu vois. Mais dans toutes les boîtes, dans les startups, etc., classiques, ça ne parlait pas produit. Et même nous, quand on a commencé, le plus gros challenge, c'était comment est-ce qu'on recrute un product manager? Tu vois toutes les questions que tu m'as posées à Barclays? Donc, soyons aussi plein d'espoir. Les boldena dhumma qui sont quand même la digital transformation des années. Quoi. Les banques ont des sites, le site l'e-commerce est développé depuis des années et tu avais encore des gens qui n'étaient pas dans l'esprit produit et qui ne savaient pas recruter. Donc, on peut y arriver et je pense que même Akhtar Mathalan Finland, où ils sont dans des maintenant il y a des sociétés qui décalent tous leurs équipes produits. Nahna Barclays, et ça va donner peut-être un truc, on avait commencé où il n'y avait effectivement aucun product manager Finland, on n'avait que les équipes techniques, les fameux 5000, 10 000 en fonction de quelle structure inter Barclays tu prends en compte. Mais quand je suis parti et j'avais eu la chance d'aller en Inde visiter un de nos centres, ça switchait à ce que ça devienne un digital office également, et on allait commencer à avoir des product managers qui allaient être basés en Inde. Et quand j'étais allé en Inde, ce qui m'avait impressionné le plus, je faisais un petit jeu avec mes product managers quand je venais à Barclays à Londres. Souvent, dans mon portefeuille, vu que j'étais devenu un monsieur fintech, tu vois, j'avais toutes les cartes de toutes les fintechs qu'il peut y avoir filon de la quasi. Là, j'avais les 10 cartes, Monzo, Revolut et tout ça. Monzo, j'ai la carte numéro 1000 ou la 2000, tu vois, pour te dire, alors qu'ils ont 1 million d'utilisateurs. Et je les mettais sur la table et je disais au product manager, dis-moi, c'est quoi cette startup, tu vois. Et s'il ne pouvait pas me répondre, s'il était en train de même essayer de recruter ou de venir dans mon équipe, etc., et de travailler dans ce monde de fintech, qu'il n'avait même pas eu juste le truc d'aller regarder qu'est-ce qu'il y a comme truc, la curiosité n'était pas là, tu vois. Et c'était assez rare, Filondra, qu'il arrivait à deviner toutes les cartes. Quand je suis allé en Inde à des développeurs
autour de moi, qui étaient attachés indirectement à mon équipe. Et que j'avais sorti les cartes, ils m'ont tous nommé toutes les cartes. Sur des startups londoniennes. Allez, je ratais, ils étaient, mais d'une curiosité incroyable. Et je pense que tout le monde peut être kiff-kiff. On pourrait être comparé, peut-être pas à l'Inde, c'est un pays quand même assez gros aussi et qui est assez très développé technologiquement. Mais le Portugal, des pays comme la Lituanie, où on voit que l'écosystème des startups grossit. On peut y arriver, ayons confiance en nous, ayons envie de créer des startups qui ont un scale global ou en tout cas régional plus que Tunis, et soyons curieux. Je suis tout à fait d'accord, Marc. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. En tout cas, je parle au nom des startups tunisiennes. Et on n'a pas le choix, en tout cas. Ouais. C'est pas un choix, on doit le faire au cas où. On est d'accord. C'est comme ça que tous les écosystèmes se sont développés. Et voilà, on a reçu quelques questions. Ouais. Vas-y, je commence. Des questions. Commence à les lire aussi. J'ai reçu une Donc, Tahar, il faut que je réponds à la question de what are the things that take you to the next level. Ah ouais, Tahar, je pense que j'y ai répondu indirectement, mais ce n'était pas la réponse à ta question. Il va falloir que tu... C'est la curiosité, c'est ce côté aller un peu au-delà du produit. Il y en a les product managers que tu voyais directement qui pouvaient passer à devenir senior. C'était ce product manager à qui tu donnais un produit et t'en créais deux. Il arrivait en fait, mais le produit avec, il arrivait à te trouver une startup qui faisait la même chose dont on n'avait jamais entendu parler. Il ou elle, un autre, et ce n'est pas forcément juste le côté créatif, un autre qui allait arriver à te sortir en fait dans les statistiques comme tu as tel produit à l'onboarding, de trouver un truc qui marchait vraiment bien ou un truc qui ne marchait vraiment pas et te le tirer ou il qui te le décortique et il te trouve la solution pour l'améliorer. Donc, c'était un fanam tar l'analytics, voilà un fanam tar l'user experience et le research, voilà un fanam tar trouver une technologie qui n'avait été pas utilisée encore par quelqu'un, mais qui allait améliorer l'expérience utilisateur. Donc, c'est vraiment the devil in the details, tu sais, ils disent en anglais. Quelqu'un qui commençait à être vraiment concentré sur le détail et qui allait l'emmener à the next level. Et ça, la plupart du temps, c'était une curiosité très poussée. Mais, femme, à trois autres questions qui. Bon, c'est des questions anonymes, mais c'est des questions très généreuses aussi. J'essaie de. Là, je suis un petit peu de gratuit. Voilà. Donc, femme, à des questions, les j'ai obtenues dans d'autres sessions. Donc, j'invite celui qui a posé sur la cahier de charge. Sur le cahier de charge par rapport au service, donc je l'invite à voir les autres sessions à la TS Academy. Par rapport à la méthodologie, c'est à Lean ou Agile, qui m'a bakri Mahdi Khal. Donc ça dépend réellement de l'équipe, ça dépend du produit. Donc il faut tester beaucoup de structures pour trouver le bon, disons, la bonne structure. Est-ce que le processus des étapes pour la création d'un projet informatique orienté web et mobile, comme les sites web et les plateformes, est similaire à celle d'un produit multimédia tel que les spots publicitaires? Là, j'ai essayé de l'apprendre, c'est assez intéressant, mais ça montre justement, celui qui a écrit ça, qu'il ne prenne pas ça comme une insulte, mais quand j'ai le manque de culture produit, c'est juste, effectivement, le mot produit, souvent dans les pays où il n'y a pas encore de product manager, on l'entend barcha dans les agences design, les agences marketing, les agences multimédia. Donc, quand on parle d'un produit, un chef de produit, souvent, c'est dans une agence marketing qui fait un spot publicitaire. Ta réponse, je la tournerai plutôt en disant, le projet informatique dont tu parlais, pour moi, c'est un produit. Et aujourd'hui, en fait, si vous voulez, dans un projet informatique, le projet, c'est vraiment juste la livraison technique, peut-être, et là, avec la méthodologie agile des différents composants technologiques qui vont faire l'application Evic, voilà, le site Evic. Mais en fait, on regarde maintenant le produit qu'on est en train d'essayer de livrer à l'utilisateur comme un produit, comme le produit qui peut être, pour le coup, un spot publicitaire. Bon, c'est plus une partie marketing d'un produit. Tawa, si tu veux, la version produit englobe un peu tout ça, quoi. C'est aujourd'hui, quand tu lances une application, tu es en train de réfléchir à comment tu lances les features, mais aussi comment tu la marketes. Donc, on pourrait intégrer le spot publicitaire dans la partie produit aujourd'hui.
Oui, je dirais, hein, plutôt j'ajouterais, la différence, c'est un produit, disons, un produit digital, un produit informatique, l'ISMCUN continue, en amélioration continue. Exactement. Selon le comportement de tes utilisateurs, selon l'utilisation même d'un produit, un produit, la promotion de Diar Fachat, un exemple. Le produit qui le comportement des utilisateurs, disons, l'objectif le produit. ونون يفهم الاكزامبل نتاع انستغرام كان تعرف مهدي اول ما بدا يقولي با ريلمون كري الانستغرام اللي موجود توا ولا كيف تويتر اول ما هبط تويتر ما فولي با ريلمون l'objectif n'était pas de créer ce Twitter qu'on connaît توا. فما une autre question donc est-ce que vous avez des recommandations à communiquer d'après votre carrière professionnelle ainsi que l'expertise? Je vais assumer, c'est qui a écrit C'est encore le participant anonyme. Ok, je crois que c'est Mohamed voilà, Taoufik, en tout cas, qui, parce que je crois que je vois sur le chat, non, non? Voilà, Taoufik, exactement. Taoufik, en tout cas, si ta question elle est sur la partie, en tout cas, product management, encore une fois, c'est la partie curiosité. J'ai fait ce shift. Le côté technologique, je suis plutôt plus j'ai envie de le côté entrepreneur, mais quand j'ai voulu switcher à la partie produit, c'est la curiosité franchement qui m'a poussé là-bas avec l'expérience professionnelle. Et en fait, si tu veux, pour moi, un product manager, c'est vraiment un caméléon aussi. Voilà, si tu imagines, Indienne, et je pense qu'un informaticien, on est tous comme ça à la base, mais il faut y rajouter la composante envie de comprendre les utilisateurs. On a dit travel tech, en même temps, RH. À Sopra, puis après Travel Tech, puis après FinTech, pour revenir maintenant à Waffle Fashion Tech. Voilà. Est-ce que j'avais vraiment une expertise dans n'importe quel de ces domaines quand je suis sorti dans l'école? Aucun, par rapport à les gens qui étaient dans notre chat. Mais par contre, est-ce que j'ai été curieux et j'ai commencé à me documenter et je suis devenu un expert dans ce domaine? Oui, effectivement. Avant d'aller faire mes interviews à Barclays, je peux te dire que leur app, je leur avais décortiqué. Les Monzo TransferWise à cette époque, que je les avais décortiqués. Je commençais à réfléchir comme si j'étais déjà dans la banque avant d'y être. Donc, femme a le côté curieux. Le manager qui pour moi fait un talentueux manager, product manager, quelqu'un qui quand tu le vois à l'interview il est déjà en train de te donner des idées et tu n'es plus en train d'interviewer, c'est toi qui es en train de lui poser des questions sur ce que tu peux mettre dans ton produit manager. Et voir tout le fait très vite c'est que déjà manager, ça y est, tu n'as plus besoin de convaincre quelqu'un, il te voit déjà dans son équipe. Oui, Mathieu, si on peut résumer les challenges pour scaler une équipe, oui. Voilà, pour former une équipe produit. Quels sont, d'après toi, les challenges qu'ils ont mis dans notre tête pour scaler après une équipe produit? Quelles sont les bases qu'ils ont mis dans notre tête pour faciliter le scale? Oui. Kima Kotanti Flachar, Edem, quand on a discuté à la fin, je pense, cette obsession du produit et de l'utilisateur au démarrage. C'est quand vous créez une startup, je pense, en tant que cofondateur, en tant qu'entrepreneur, si tu es en train de la créer pour toi-même, et si tu es en train d'optimiser la roadmap pour toi-même, et si tu es en train de considérer que c'est toi l'utilisateur, et que tu es en train de dicter en fait une roadmap à tes développeurs ou n'importe qui va te créer le produit technique, ou en tout cas le produit au sens final à la fin, selon juste tes envies et ton gut feeling, voilà, du coup, ton aspiration, tu es complètement ralent. Voilà. Tu es en train de créer ton rêve. L'autre partie, encore plus, le UK, quand tu es en train de créer une offre B2B, un produit pour un corporate ou à la Haja, si tu es en train de créer un produit qui est fait juste pour ce client, tu es une SS2I, tu es une société de service.
tu es en train de créer un produit qui va intéresser ce client. Tu réfléchis, les mcTram, scale, l'écouter, prendre en compte ses remarques, adapter ton produit, itérer, qui m'a content, pour en fait faire quelque chose qui va marcher à d'autres gens après. Voilà. Et c'est ça, en fait, le mindset produit, les hashtags B au départ, avant même d'essayer de scaler ton équipe. Après, il va falloir accepter, si tu veux scaler une équipe produit dans une startup, à déléguer. Hasna le dit très bien de ce côté-là, dans notre équipe, c'est à un moment donné, il faut accepter de lâcher les rênes. Et c'est en tant qu'entrepreneur et aussi patron d'une entreprise, la partie la plus effrayante. Il faut le savoir, mais si tu ne fais pas cette partie-là, tu n'arriveras pas à scaler une équipe produit. Si tu as toujours peur qu'en fait que les décisions que les gens prennent à ta place ne sont pas les bonnes, tu n'as pas choisi les bonnes personnes. T'as pas choisi les bonnes personnes, ou alors tu n'es pas encore prêt à en fait déléguer, à donner cet ownership, à donner cet empowerment, à donner cette trust dans ces gens qui sont en fait en dessous de toi pour délivrer la meilleure expérience. Je pense que ce qui est magique en fait quand tu scales l'équipe produit, c'est quand, je t'assure, tu découvres, et ça m'arrive en ce moment à Save Wardrobe, et des fois je trouve ça magique, quand je découvre une feature à la fin, alors que je ne l'ai pas vu au début, et je me dis, mais c'est toi Alpha Calais, en fait. Et ils vont te dire, on a fait un interview avec telle personne, on a fait un truc avec ce truc-là, et on a fait un truc avec ce truc-là, on a étiré avec l'équipe design. Ah, j'ai contacté directement l'équipe dev, qui on a fait un truc dessus, donc ils peuvent utiliser ça. Et à la fin, le truc, il est livré, tu vois. Et tu es là, mais vous n'avez plus besoin de moi. Génial, j'ai fait mon boulot. Et tu vois, quand tu peux te dire qu'en fait, en tant qu'un cofondateur, j'exagère un peu en disant, on n'a plus besoin de moi, mais en tout cas, à Barclays, je peux t'assurer que la chose qui me faisait le plus plaisir, c'est que quand quelqu'un avait pitché le truc, avait réussi, avait eu un prix pour le truc à Barclays et que je n'avais pas été involved dedans. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à un product manager, et que nous, en tant que manager tout court, c'est le plus beau accomplissement qui puisse nous arriver. Cette trust, et après, du coup, le côté rewarding de les voir en fait complètement livrés. Pour moi, Ed, c'est la base, tu vois, c'est cette vision produit, réfléchir produit, ce scale de la startup, de réfléchir que tu es en train de faire quelque chose de gros avec une ambition et quelque chose de gros, et que tu es en train de prendre des gens dans ton équipe qui sont là, en fait, que tu veux, en fait, qui sont alignés avec ta vision et le côté, le final. Ton boulot, c'est toujours de leur montrer où est-ce qu'on va aller long terme, mais c'est eux qui sont en train de faire les itérations petites et eux qui t'aident, en fait, à courir au quotidien. Tu as tout à fait raison, Anna. Ça me rappelle une discussion en Malte. Il n'y a pas longtemps, un entrepreneur qui est très respecté, Futunes, il fait partie des premiers start-upers Futunes, où ils réussissent vraiment. Ils ont des produits qu'ils ont lancés, c'est le monde entier. Et Narkima, قال لي تعرف علاش احنا ما نجمناش نكبروا كيما حبيت انا في بالي نستنى في بعد 10 سنين قداش باش نكبروا بورتون راهو سي ستارت اب كي تري ريسبكتي ils ont des produits بالحق انا بيرسونيلمون il m'inspire عبد الدار قال لي ما نجمناش نكبروا خاطر تو سامبلومون je me suis rendu compte مخر اللي لازمني نسيب كنت انا لاهي بالبرودوي وكل يوم داخل في الديسيجن كل كنت مش قولها كلمه بالتونسي عباره على العبد خانق ليكيب نتاعو اي سا روجوان كلام كنت معناها بالحق سي فغي وي ديما تلقى لونتربرونور لو بورتور دو بروجي ولا فونداتور هو اللي جاتو الفكره من الاول اي سا نو ابسولومون ريان دير تout à fait ليكزيكسيون بعد والسكيل من بعد ماكش باش تعمله وحدك هذه الحاجة الثانية حاجة لزيدة اللي بشي جيوك كي عبد عندك أربعة ولا خمسة ولا حتى عبد آخر معاك شوالي دوبل وهما سي دي جون اللي en plus qui sont en train d'exécuter donc qui sont plus proches du marché que انت par défaut parce que ta position ما تخليكش كل يوم تحكي exactement مع المارشي donc c'est vrai. Je suis très d'accord avec vous. Merci à la remarque d'ailleurs, parce que un habit de votre dit ça m'a remis en question en fait par Hajet. Et pourtant, c'est très difficile de le faire en même temps. Très. C'est ton bébé après tout. Ouais, très. Voilà. Et moi, ça me fait du bien même d'en parler avec des gens. Je pense qu'on se fait une thérapie, ma barde. Et je pense que c'est. Je le dis pour me le rappeler aussi. Je t'assure, c'est très, très, très dur. Et c'est. Et je pense à ce qui a créé les plus belles startups à la fin. Ceux qui ont. Enfin, une phrase.
que j'utilise Barsha aussi quand on était à Barclays, on utilisait Barsha le modèle d'Amazon, d'un day one, comme tu as vu, je les ai écrits, fait les titles, de toujours rester dans l'esprit d'une startup dès le début, comme au début, avec cette beauté d'itérer rapidement et d'arriver à fail fast, tu sais, le spaghetti style où tu colles les trucs, tu vois qui marche, donc toujours aller vite. Mais il y a aussi le côté, tu as Amazon, tu as Jeff Bezos qui dit à chaque fois, tu sais, I disagree by commit. Voilà, tu vois, le côté joli aussi, c'est une fois que tu as donné cette trust, tu vas devoir aussi accepter qu'ils vont peut-être faire des choses avec lesquelles tu n'es pas du tout d'accord. Mais encore une fois, vas devoir être la personne qui va le vendre encore mieux qu'eux. Tu vois, c'est à un moment donné, s'ils ont fait tous les faits, et c'est comme ça qu'ils ont créé Amazon Vidéo, ils voulaient investir dans des films, etc. C'était quelqu'un de son équipe qui voulait faire ça. Il a dit, mais c'est nul votre truc. Mais le gars a fait un exposé avec la data tellement précis. Il disait, bah, écoute, je peux rien dire que I disagree and commit. Et il a انا dit. نعطيك سامحني Attends, attends. مهدي نعطيك اكزومبل احنا في فيند عندنا ثلاثه حاجات يتعاملوا في فيند اللي انا وقت اللي قبل ما يتعاملوا جي كروي با اونيتمون معناها وقت اللي جات ليدي وقالوا لي على لي زيدي ما كنتش مؤمن بهم منهم deux fonctionnalités, elles n'avaient pas de sens. Concrètement, les deux fonctionnalités, la roulette ou l'autre, le compteur de la bière. Ces deux fonctionnalités, parce que la cible interne, c'est la bête, les tochres, ou les timchitas, donc j'ai l'idée. انا بيرسونيلمون ما نشوفش راح نستعملهم دونك جي كرويي با مي ابري تو البرودوي ما عادش عندي كيما قلت انت جي دوني كونفيونس على ليكيب سي او كي ساف ريلمون لي زوتيليزاتور نتاعنا دونك قلت لهم اوكي اي بان اجوردي سي دو فونكسيوناليتي سون بارمي لي فونكسيوناليتي لي بلوز اوتيليزي في لابليكاسيون وقت اللي كنت انا لونسي لو كونتور دو لا بيير On a eu des feedbacks, on a dit qu'on a fait des problèmes. Alors que c'était, je me rappelle, une réunion quand on faisait la roadmap, on a dit qu'il y avait des problèmes. Je n'ai pas fait des problèmes. Et bien, c'est une fonctionnalité qui est très utilisée aujourd'hui. Et c'est ce qu'on a fait dans la rétention par les utilisateurs. Mais avant de terminer, on a reçu une autre question de la part de Mohamed. Il dit, quelle est votre rétroaction sur la durée de vie d'une start-up dans l'écosystème en Tunisie? Ah, ça, c'est un sujet qu'on peut en débattre par cher. Tu peux commencer, Mohamed. Juste pour être sûr, comment tu le comprends, une petite rétroaction, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour allonger la durée de vie d'une start-up? Je ne sais pas ce que Benesbeli la durée de vie d'une start-up Xira ou la Twila, est-ce qu'on a pas des start-up Katini Mutu et Lele, mais si on prend de façon générale les start-up, 95% des start-up Imutu Flalam Kol. Voilà, Tawa House, l'âge moyen est de 3 ans. Yuzhurli, l'âge moyen fit Tunis, disons, une start-up qui est en forme, Akbar Shwaya, ou les ménages cher tout les semaines, peut-être les musiques qui sont en train de faire la phase d'idée. Mais on n'est pas, je ne crois pas que Ahnara en fait l'exception. Non, non, je ne pense pas, Mana, c'est. Hey, il y a plein d'angles hein, et je pense que ce n'est pas une question avec une réponse unique, mais je pense que les termes Lofi Hedem, avec déjà la formation sur la partie produit et comprendre qu'en fait lancer une startup, ce n'est pas juste lancer un projet informatique et que c'est lancer un produit avec une itération non-stop, avait elle base déjà l'Oulené. Si tu acceptes même que l'idée l'Oulené que tu avais quand tu as lancé ta startup, c'est peut-être pas celle qui va être successful à la fin, et accepter d'itérer, de pivoter, tous les termes que vous allez voir dans la partie, par exemple, Lean Startup Methodology et tous ces trucs-là. Déjà, je pense que Kentwen, ça le colle, il lance des startups, ils acceptent de faire ça, ça allongerait un peu plus. La deuxième partie, et ça ne marche pas sans, c'est l'investissement, en fait. C'est d'arriver à trouver, en fait, pourquoi est-ce qu'on survit aussi, qui m'a save Wardrop pendant des phases qui m'a
Allez, je crois qu'on a trouvé au démarrage des angel investors qui nous ont aidés au démarrage pour lancer le produit, qui après, quand on a eu besoin de plus de fonds parce qu'on a trouvé une autre manière de pivoter sur le produit, ou alors on avait une opportunité, par exemple, avec la partie Covid qu'il fallait qu'on pouvait approcher, ils ont remis de l'argent en fait pour réinvestir. Et on sait que pour l'étape d'après, on va avoir accès à une centaine de VC auxquels il va falloir parler leur langage, mais on va pouvoir lancer. Et si tu veux, l'âge moyen d'une startup, il est aussi lié à ses cycles d'investissement. Maintenant, au démarrage, Canard n'a qu'une runway de 12 mois. Et bon, si vous savez, le runway, juste pour expliquer, s'il y en a qui ne savent pas, c'est le nombre de cash que tu as en fait encore dans ton compte en banque en tant que startup. La plupart du temps, du coup, tu n'as pas de revenus et tu as en fait, tu burns X argent tous les mois et tu sais que d'ici 12 mois, tu n'as plus d'argent. Donc, tu sais que tu vas devoir, d'ici 6 mois, peut-être relever de l'argent. S'il n'y a pas de visibilité sur l'écosystème d'investissement en Fitounos. Et c'est pour ça que je suis un big believer et j'essaie d'aider de la manière que je peux à chaque fois tout ce qui est la partie Startup Act et la partie fonds de fonds qui se fait au côté Startup Act qui est la partie que toutes les équipes d'un Smart Capital sont en train de faire pour essayer de dynamiser en fait l'écosystème d'investissement Fitounos. C'est une clé essentielle à ce qu'on ait des startups qui ont envie d'itérer, à qui on donne les moyens d'itérer, à qui on donne les moyens d'échouer, à qui on donne les moyens et de leur donner fameux l'image un peu rigolote que j'avais du Spartiate là tout à l'heure. Ah, c'est de se battre en fait. Il faut avoir envie de de te battre, de tomber, de remonter Exactement. et de vouloir, et là c'est super important, de vouloir sortir de Tunis. Avec l'expérience, quand on a commencé, c'était en 2016, on a 18 mois, 18 on essayait de relancer à chaque fois le produit. On a passé 18 mois avec 1 000 utilisateurs. On a fait les barres d'un 1 000 utilisateurs. On a fait 11 modèles. 11 business model. Et on était en train de comprendre le marché réellement. Donc, à chaque fois, on changeait le produit. On chauffait les retours à la bête. On n'arrivait pas à avancer. En disant, on n'arrivait pas à scaler. 18 mois à vous, comme on connaît Najmoun Aïchou, des business angels qui ont réellement Exactement. cru sur le produit. On bat l'anecdote, les 18 mois à vous, on est allé au col. Ça va faire un flou, on a fait un bat le final, c'était en décembre, c'était une acte à aimer, à l'expérience. On a lancé une fonctionnalité. On a eu, ah non, on a eu 19 000 utilisateurs. Wow, On c'est a super. passé 18 mois, ou 18 mois, comme on a des focus group, les 1 000, l'application. On testait, on testait, on testait, on testait, on testait, on testait, on essayait des choses. Au bas du final, on a eu 19 000 utilisateurs. On a fait un buzz. Le scale, on faisait 60% par mois de croissance en nombre d'utilisateurs. On fait les problèmes de riches, la rétention qui fait travailler. Rétention par les utilisateurs. Exactement. Et donc, je suis d'accord, Marc, le fait que qui ont cru la vision Exactement. interne à Ottawa en plus. Exactement. Parce que peut-être d'autres startups, ils C'est appellent ça. après 6 mois, ils disent ça y est, alors que le cas a une idée, ou une belle vision, voilà, donc si on clôture par des suggestions de books, voilà, des ouvrages, c'est une demande. Oui, j'ai répondu au monsieur. Voilà. Je ne sais pas si vous allez partager les slides, voilà, ça va rester pour vous, mais avec plaisir, n'importe qui les veut, je les partagerai. Il suffit de me contacter à mehdi@saveyourdrop.com ou voilà, à la LinkedIn. Je vous mettrai les liens, il y en a beaucoup. Il y a quelques ouvrages à lire sur Scaler Product Team, mais aussi des ouvrages produits tout court. J'ai une course, liste de courses de Noël, des livres à l'Amazon, et Internet. Je ne vous dirai pas comment les récupérer blèche à Internet, mais je vous fais confiance. Et sur comment devenir mindset produit, comment
comment les problèmes de risque sur la partie rétention, mais il y en a vraiment. Le Kim Adlin Startup, pour moi, a été une révélation. Tu as Eric Rai, vous savez qu'il est. Voilà, c'est assez une révélation sur comment réfléchir différemment aux ces itérations de produits. Il y en a quelques-uns qui sont magiques voilà, à regarder. Mais, la bête, les Tachloum, les Zoom, on a leurs emails, on va leur envoyer les slides interne. Un dernier mot peut-être, sinon on peut clôturer. Merci à tous. Voilà, et Yadikou Massaha, merci de mes équipes. C'est vraiment un super. En tout cas, j'ai vraiment pris en plus du plaisir à regarder les vidéos, et je ne dis pas ça juste parce que j'y suis, à regarder les vidéos de toutes les personnes que vous avez invitées. On a besoin de plus de ça. Kemahkin aide, on a besoin de gens aussi qui acceptent de parler de success story, mais également des échecs. Et on a besoin des exemples comme ceux que tu as donnés pour Vind. Et je pense que ce que tu es en train de faire, Manah, c'est magique. C'est comme ça que ça va donner envie à d'autres gens de le faire. Ça va donner de l'espoir. Ça va peut-être éviter à d'autres gens de se casser la tête. Et ça va, j'espère, donner aussi envie à de la diaspora tunisienne et à d'autres Tunisiens de venir et investir Fitoun et d'aider notre écosystème tunisien. On a beaucoup de gens très talentueux. On en a vraiment besoin. Il y a des pépites, Lyoum Fitoun, c'est là où Lyoum Kadin Choufoufi, des entrepreneurs avec des idées merveilleuses qui peuvent réellement changer ce pays. Inch'Allah Rabbi Sahel. Nash, il doit lire Kassa Alik Mahdi. Nesmafik. Voilà. Donc, Yatik Saha Mahdi, c'est très gentil de ta part d'avoir accepté de faire cette session bonus. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne chance et bon courage pour Save Your World Europe. Je passe. Ameni ou la Nedia, qui sont ici, sinon je vais clôturer moi-même la session. Yatikoum Saha Ejmea, et à très très bientôt. Voilà, Ameni. On est là. Merci beaucoup, Mahdi Yatik Saha. C'était vraiment, comment le dire, un closing en beauté. Session pour Aïcha, pour TS Academy, encore une fois, c'est un pilote. Les feedbacks, ils sont très importants. Un grand merci à Ed Mouessim, Lihouma. Ils ont préparé tout ça. Ils nous ont aidés à voir tous les speakers l'Isma Touha. Ou Houma Zeda, ils vont développer Maana pour la deuxième édition. Ça, c'est un message implicite. Ed Mouessim, ils ont dit que merci beaucoup. On attend toujours l'intoma. Vous vous inscrivez sur le formulaire ou Tati ou Nayarish comme des feedbacks. Ils sont encore une fois très très importants. Merci beaucoup à tous. Aïe, c'est Katik Saha. À très très bientôt. Bye bye. Merci, Mahdi. Bye bye. Ciao.